terriens. Salut les terriennes. Bienvenue dans l'émission qui se joue de l'actu. Et ces créatures s'appellent No Jazz. Avec nous ce soir, 5 terriens extra. Perry Cochin. Yves Lecoq. Antoine Decaune. Nagui. Et Claude Askolovic. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. 5 sur quoi? 5 sur quoi? Quelle entrée! Ouais. Ah, je dis quelle entrée! Ouais, t'as vu, je fais mon entrée et tout. Hein. Alors, Perry, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Vous êtes né au Liban? Oui. Ce qui, pour une bombe, n'est pas étonnant. Ouf, ça commence fort! Vous avez compris! Petit compliment. Merci. On vous entend sur Europe 1, on vous voit sur France 2, en compagnie de Laurent Ruquier, qui a d'ailleurs écrit la préface du livre que vous publiez aux éditions numéro 1, Perry, mode de vie, mode d'emploi. Vous y donnez entre autres des conseils sur l'art de recevoir. Il faut dire que vous êtes architecte de formation, Perry. Oui. Et que pour les plans de table, ça aide. Yves Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Donc on vous connaît comme voix des Guignols, et notamment celle de PPD. C'est vrai que vous le faites tellement bien, PPDA, que quand vous limitez, vous perdez vos cheveux aussi. Mais j'ai pas attendu de limiter pour les perdre, mais enfin, moi je les ai pas replantés. Ils sont voilà, c'est la grande différence. Alors, vous faites très bien Chirac aussi. Plus pour longtemps, mais bon, on sait jamais. Est-ce que Sarkozy est un bon imitateur de Chirac? Alors, je trouve qu'il ne ressemble pas du tout à Jacques Chirac, ne serait-ce que par la hauteur du tabouret. Bravo. C'est pas difficile. En tout cas, il faut bien dire à Sarkozy que mon bilan, c'est son bilan. Hein, ouais. Faut pas oublier ça. Quand Sarkozy imite Le Pen, vous le trouvez comment? Eh bien, je trouve qu'il est très amusant, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai l'habitude de faire des copies, alors une de plus, une de moins, ouais, pourquoi pas? Ouais. Alors, vous nous parlerez de Mémoire d'un guignol, publié chez Robert Laffont, qui raconte votre enfance, vos débuts, votre passion pour les antiquités et les vieilles pierres. Pensez quoi de Michel Drucker? Eh bien, qui tient le coup? Antoine Decaune, bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlerez du docu consacré à votre émission Rapido, que Canal+ diffusera le 13 avril à 22h25, mesdames, messieurs. Très précisément, oui. Ouais. Ouais. Vous pensez quoi de Canal aujourd'hui? Du Canal d'aujourd'hui? La fille qui fait l'émission ciné, vous la trouvez pas bien gaulée, Antoine? Pas mal gaulée, ouais. Hein, ouais, pas ouais, mal. Hein. Et puis surtout très compétente. Très compétente. Ouais. Très bonne intervieweuse. Très bonne intervieweuse. Nagui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre actualité. Et ah bon, cette actualité, c'est que vous avez remplacé, Nagui, votre vieille Maserati par une Porsche. Ça se passe bien, Nagui. Non, mais je viens pour le plaisir de venir. Non, puis vous cartonnez, il faut dire, en audience sur France 2. Alors ça, c'est déjà bizarre, vous cartonnez en audience sur France 2. C'est pas un truc qu'on peut dire tous les jours ça en ce moment. Ça t'arrache la bouche, non, hein, non, de le dire. Non, non, pas du tout, non. On sent la blessure. Non, non, il cartonne. Avec une émission qui s'appelle Tout le monde veut prendre sa place. Ouais. Et c'est vrai qu'une émission qui commence par Tout le monde et qui cartonne, faites gaffe, ils vont l'arrêter. Un jour, ça s'arrêtera, mais c'est ouais, ça. Claude Askolovic, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous publiez avec Éric Besson Qui connaît Madame Royale chez Grasset. Le titre vient de la phrase de Ségolène qui a dit Qui connaît Éric Besson au moment où il a démissionné. C'est numéro un des ventes. Donc en 5 jours, vous avez gagné énormément d'argent, là. Merci Ségolène Royal, parce que ouais, c'est pas ma belle gueule, mon talent de plume ou la réputation d'Éric Besson. Je vous arrête parce qu'on n'a que 50 minutes. Ah bon, on arrête alors. On commence avec le hit de l'actu. Vous connaissez le principe, je vous donne 5 événements et vous me dites celui qui, pour vous, est le plus important, d'accord? Alors, 8000 personnes au Trocadéro avec Nicolas Hulot. Les transports gratuits pour les RMistes en Ile-de-France. L'insécurité qui revient au centre de la campagne. Le TGV à 574,7 km/h, record du monde de vitesse sur rail. Et la capture des otages français en Afghanistan, voilà. Alors, honneur aux dames, on commence avec vous.
quel est pour vous, Perry, l'événement le plus important de la semaine? Eh bien, le TGV. Il faut dire que l'Est de la France, c'est tellement moche qu'au moins comme ça, on le voit pas, quoi. Je suis pas d'accord. On a envie d'y aller beaucoup plus vite. Ah ouais, d'accord. Absolument. Bon, alors Yves, pour vous, c'est quoi? Les transports gratuits pour les RMistes. Donc pour vous, les RMistes, Nagui? Oui, pareil, RMIS, mais je pense qu'il faudrait même que les transports soient totalement gratuits pour tout le monde. C'est-à-dire que ça soit un vrai service. Eh ben voilà, et alors? Et alors? La vraie, ça s'en fout. On devrait supprimer l'argent. Non, on s'en fout. Non. Les avions aussi. Pas les avions, non, mais je pense les transports urbains. Bon alors, Antoine Le... Moi, je dirais le Trocadéro et Hulot. Non, mais ce qui me sidère, c'est que la flambée qu'il y a eu autour de l'écologie il y a 3 mois, on a l'impression que c'est complètement retombé comme un vieux soufflé. C'est évacué du coup de la campagne, si je puis dire. Ouais. Et évacuer l'écologie de la campagne, c'est un paradoxe. Des fois qu'on n'est pas compris la bonne. Non, mais ça ouais, d'accord. Claude, pour vous, c'est qui? Pour solidarité, les otages et socialement, les transports gratuits. Numéro 1, 8 de l'actu, les transports gratuits pour les RMistes en Île-de-France. Bien, alors on continue avec les images de la semaine. Et on commence avec l'image la plus Disneyland de la semaine. Donc c'est Disney Park, un parc d'attractions. Ah, elle est trop bonne! Vas-y, on reste pas là, viens, on bouge! Ah, mais puis défoncé! En plus, il y a une nouvelle attraction! Quoi? De quoi? Vas-y, viens, on y va, ça va bientôt commencer! Ici, c'est pas mal, on va être bien placé. Et accroche-toi, c'est violent! C'est parti! Titanic Park, c'est énorme! Ah ouais, c'est énorme! Ouais, enfin, au niveau de la sécurité, ça m'a l'air limite, hein, quand même! Superbe! Hein, c'est une habituée! Elle est là tous les jours! Et ça descend! Viens voir la discothèque! Ah non, c'est là! Voilà, c'est Titanic Park. C'est un détournement de Mosinor qui nous a été envoyé par Chloé Célérien. Et si vous aussi, vous repérez des trucs sur Internet, pouvez nous les envoyer, on les diffusera. Alors maintenant, on passe à l'image la plus classe de la semaine, George Bush. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, George Bush, avant qu'il soit président. On passe à l'image la plus vidéo-gag de la semaine. Il va sortir du... Toujours drôle. I've never seen a spring break like that. Toujours drôle. Ça marche toujours, ça. La vidéo-gag, c'est un truc. Alors, c'est envoyé par Nicolas Torchman, merci. Alors, l'image la plus parodique de la semaine. Bonjour, je m'appelle Nicolas Sartaki. Expert vendeur en système d'alarme. Je cherche un pavillon à vendre avec une grande clôture dans la région de Melun. Car je viens d'être promu chef des ventes au niveau départemental. Aujourd'hui, au niveau départemental. Demain, au niveau régional. Et un jour, peut-être, qui sait, au niveau national. Voilà. Donc, si vous avez un pavillon à vendre, ça m'intéresse. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire... C'est une publicité. À votre avis, Perry, pour quel produit ou pour quel service est cette publicité? Une agence immobilière. Non. Pour une voiture? Non. Une alarme? Une assurance? Gardiennale? Non. Non. Bah, attendez, on va en voir un autre. Hein. Un shampoing. Ça peut vous aider. On continue. Bonjour. Je m'appelle François Barré et je cherche une voiture sportive. Mais en même temps familial, avec une boîte manuelle pour une bonne reprise. Quoiqu'une boîte auto pour rouler en ville, c'est mieux. Ou alors avec les deux.
Par contre, pour les couleurs, des tons mats, discrets, sombres. Quoique un bon rouge vif, ça a de l'allure. Donc, si vous avez cette voiture ou une autre, ce serait idéal. Voilà. Alors. Je m'en dénonce. Oui. Le site internet d'annonce. D'annonce. Non, c'est pour les pages jaunes. Pour les pages jaunes, ça a été envoyé par Chloé Sélérien. C'est drôle. L'image la plus 30 millions d'amis de la semaine. Regardez. Il va lui donner la papate. Il va lui donner la petite papate, la papate. Oh oui. Oh, que c'est beau. Oh, c'est mignon. C'est joli, hein. C'est d'autant plus mignon que le premier est mort. Ouais. Comment s'appelle cet animal ? Une loutre. Bravo. À l'envers, j'ai reconnu. Mais c'est formidable. Quoi, tu les reconnais d'abord à l'envers. Comme ça. Ah ouais. Tu t'y connais vachement. Non. En loutre à l'envers. En loutre à l'envers, excuse-moi. L'image la plus inhumaine de la semaine, maintenant. Voilà, image envoyée par Bernard Zetri, que je remercie ici. L'image la plus nouvelle star de la semaine. Extraordinaire mémé, envoyé par Nora Medziani. Alors, on a tous en mémoire les émeutes de la gare du Nord la semaine dernière. Et pour corriger l'image de la police, le ministère de l'Intérieur a décidé de réagir. Wow. On regarde, ouais. On lance une opération, les flics sont sympas aujourd'hui. Ouais, ça va? On en a marre d'être mal vu, hein? Ça va? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les gars? Arrêtez d'embarquer les sans-papiers. Bah ouais, mais aujourd'hui, on n'embarque plus personne, là. On est sympa aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux une bière? Bah ouais. Tiens, tu mets deux bières. Si on offre des demi tous les jours? Ah, vive la police! Bonjour, ouais. Ça va, les filles? Ça va, toi? Je commence à bien se démerder. Non, je la connais pas, mais je suis sympa, je suis un flic sympa, ça va, chef? Je vais te faire un petit massage, un body police. Je fais des massages aux nanas. C'était son père avant? Non. Ça va bien, là. Mais je suis sympa, quoi? Mais je suis sympa, attendez! Pour une fois que les policiers sont sympas, ça te fait du bien? Ah oui. Vous avez mal où? Partout. Mets-toi comme ça! Voilà. Voilà. T'es tendu? Retourne-toi! Aïe! Retourne-toi, t'es tendu, je te dis! Retourne! Laisse tes mains, voilà! Voilà, regarde, je te détends là! Ouais, Stéphane. Voilà! Allez! Ouais, voilà! Mais attends, traverse pas, attention, Lolo! Allez, pousse! Allez! J'ai des PV, vous pouvez me sauter! Donne tes PV, je te les fais sauter, mais. En priorité aujourd'hui, les Noirs et les Arabes ont fait sauter les PV! Madame, je vais vous aider à transporter vos courses. Je suis policier. Vous habitez dans le coin? Là, ici, deux représentations. Mettez-vous sur mon dos. Mettez-vous, madame. Prenez, allez-y. Un, deux. Allez, je t'amène au taxi. Non. Je t'amène au taxi. Mets-le. Le flic était sympa ce jour-là. Il y en avait un. Alors, on commence cette deuxième partie. Avec l'alien d'or du People, avec qui il ne faut surtout pas être photographié en soirée. Allons-y. Vincent McDoom. Philippe Laville. Séverine Ferrer. Philippe Rizzoli. Ou Renaud Donnedieu de Vabre. Alors, on va commencer avec vous, Perry. Écoute, Renaud Donnedieu de Vabre. Ah ouais. Antoine? Séverine Ferrer m'a toujours assez embarrassé. Ouais. Claude? Laville.
La ville, oui. Nagui ? Je vais alimenter mon choix par une anecdote. Je vais citer Philippe Risoli, ouais. Qui, après la première diffusion de La Brosse à dents... Ça prouve quand même qu'il y a un truc qui est resté. C'est énorme. Et Philippe Risoli m'a fait passer le message de « C'est moi, Philippe Risoli, qui ai eu l'idée d'aller pour la première fois dans le public à la télévision. Tu m'as piqué l'idée. » Ah oui, d'accord. Voilà, donc Philippe Risoli. Donc je ne veux pas être en photo avec Philippe Risoli. D'accord. Et toi ? Ben moi, donne Dieu de va, parce que ouais. Je ne peux pas être en photo avec un homme politique. Ça veut dire que je ne suis pas neutre et que je ne peux pas, au guignol, taper sur... Voilà. Donc l'alien d'or du people, à côté duquel il ne faut surtout pas être photographié en soirée, est attribué à Renaud donne Dieu de va. Vous êtes Yves Lecoq, le patriarche des imitateurs. Oui. Parmi les nouveaux imitateurs, vous préférez qui ? Cantelou, Dahan ou Fogiel ? Fogiel, il imite qui ? Allez, on va dire Cantelou quand même, je suis confraternel. C'est plus fort que toi. Hein, ouais, peux. Oui, pourtant, on n'est plus du tout concurrents. Voilà. Oui, mais quand même. C'est marrant. Ouais, bah, c'est bête. Hein. Il n'arrive pas à s'en défaire. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est comme un herpès. L'herpès, c'est pour toute la vie, en fait. Non. Alors, vous avez dit au sujet de Dahan, justement, je ne suis pas un faussaire dont le but est de tromper les gens. Vous n'aimez pas ce qu'il fait, Gérald Dahan ? Ah, mais il le fait bien, je n'ai pas dit ouais. Ça. Je dis que si c'est justement pour dire j'ai fait un coup, j'ai réussi à piéger quelqu'un, non. Moi, je crois qu'on peut faire l'imitation en faisant rire, ouais. sans gêner tout le monde. Ouais. Et alors, Patrick Sébastien, vous n'êtes pas plus tendre. C'est génial. Non, j'adore, vas-y. Vous dites qu'il y a une part d'opportunisme dans son soutien à François Bayrou. Non, mais attends, j'adore le petit bonhomme en mousse, là, c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il a, à partir du moment où on a commencé à dire « Ah tiens, Bayrou, il a 20%, d'un seul coup, Sébastien, ah ouais, je le soutiens, il est génial, je l'adore. Ouais, » ouais. Bon, parce que... Comme il ne voulait pas certainement soutenir Sarkozy parce que c'est mal vu, ouais. Et que Ségolène Royal est assez misogyne, donc c'est dire ouais. « Tant mieux, il y a Bayrou, on y ouais. va. » Le petit bonhomme en mousse, qui casse les partis au pouvoir. Ouais. Le coq. Alors, on peut l'arrêter quand il se lance. Hein. Ouais. Alors, vous publiez chez Robert Laffont « Mémoire d'un guignol », qui aurait pu, en fait, s'intituler « Aventure d'un châtelain galérien ». Oui. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais pu échapper aux antiquités et aux vieilles pierres. Mais je ne me plains pas trop, ça va, j'ai voulu. C'est une passion. Est-ce que ça ne vous a pas sérieusement coûté un peu votre carrière, cette histoire, quand même ? Ça m'a certainement fait un peu déraper ou ouais. rater certains chemins en étant toujours... accro de ces travaux, parce que ouais. les travaux viennent vous chercher même quand vous n'en voulez pas. Ah ouais. Tu imites la voix de qui, là, parce que ouais, j'ai pas c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pourriez vous imiter, vous, par bah, j'espère que c'était une bonne imitation de moi, là, parce que j'ai pas d'autre voix. Hein, pour... Le pauvre. Sinon, il n'a qu'une voix pour lui, elle en fait. Est ridicule, ça va. Tu peux changer de voix. Non, justement, c'est pour ça que j'en change souvent. Voilà, Yves Lecoq, ça s'appelle « Mémoire d'un guignol ». C'est publié chez Robert Laffont, c'est vraiment intéressant. Alors, on raconte que dans le showbiz, il y a beaucoup de substances illicites. Vous n'échapperez pas à une interview Lecoq. Oui, la oui, coke, oui. Voilà. Évidemment. C'est pas grave, trop d'avoir une voix de quelqu'un. Attention, tout le monde peut jouer. Hein. Disponible en sachet. La coke. Indispensable au guignol. Lecoq. Les deux. Voilà. C'est pas attention, deux combien de principes, c'est bien. Depuis 19 c'est ans sur Canal. Lecoq. La coke, c'était avant, il n'a plus. J'ai pas suivi. C'est devenu très cher. La coke. Les deux. Oh, Lecoq aussi. Lecoq, oui. C'est abordable. Ah ouais. Ça n'a jamais rien pondu de bon. Lecoq. Non. Lecoq, ça pond pas. La coke. Justement, la coke. Alain de Greff l'avait fait entrer à Canal. Les deux, mon capitaine, c'est ça. Michel Denisot y est confronté. Tous les jours. Lecoq. Ouais. PPDA lui doit tout, finalement. Ça, je dirais Lecoq, parce que... Bravo pas cette... Vous regardez bien la télévision française. Bonsoir. Donc, cette semaine a eu lieu la dernière conférence de presse mensuelle de Dominique de Villepin. Et on sentait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais que ça va lui manquer de pouvoir dire tous les mois devant les journalistes que son bilan est excellent. On regarde, on en parle après.
Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va le regretter, Villepin. C'est lui qui nous aurait fallu comme président. Lui, au moins, il a de l'allure et puis brillant avec ça. C'est quand même un mec qui a changé l'histoire de France en un seul discours. Il y a une alternative à la guerre. Alors je pense qu'on va se taper l'autre nain laborieux qui s'excite sur sa caisse à savon. Et puis Villepin, lui au moins, il a un bon bilan. Il a réduit le chômage. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le vrai problème de Villepin, c'est que les Français sont des cons. Vous avez pas lu le dernier JDD? 45% des Français pensent que l'insécurité a augmenté depuis 5 ans, 52% des Français pensent que la relation avec la police s'est dégradée depuis 5 ans, et 43% des Français pensent que Sarkozy est le mieux placé pour régler le problème de l'insécurité. Alors ça, si c'est pas la preuve que les Français sont des cons, c'est pour ça que Villepin ne s'est jamais présenté à aucune élection. C'est quand même pas des cons qui vont décider que c'est lui le meilleur. Il le sait assez bien tout seul. Vous allez voir quand il écrira son grand discours sur la paix au Proche-Orient. Quand il recevra le prix Nobel, la France aura honte devant la terre entière d'avoir méconnu son génie. Bon bah voilà voilà, maintenant si vos cartons sont prêts, monsieur le Premier ministre, ben va falloir y aller, hein. Au revoir. Voilà. Eh oui, Villepin, trop bien pour nous. C'est horrible, un mec pareil. C'est horrible parce que c'est vrai, hein, il pense ça. Ouais. On ne peut pas oublier quand même son discours à l'ONU. Ouais. Vous l'avez évoqué quand même. Il a fait un truc bien. Mais il est très facile d'oublier son discours à l'ONU, il n'a rien changé. Je ne peux pas vous laisser dire... Pardon. Si, Nagui, tu peux me laisser dire. Non, écoutez, quand on voit ce que votre gouvernement a fait pendant 5 ans... Ça, c'est vrai. Mais ne m'interrompez pas, parce que je ne vous ai pas encore interrompu. Mais monsieur, je vous ai laissé parler. Non, mais sérieusement... C'est pas une erreur de casting. Écoutez, je suis désolé. Dominique de Villepin. Non, mais arrêtez. Non, mais sérieusement... On va voir si vous le connaissez bien. On va faire un Villepin Adi. Je sais ce qu'est une campagne présidentielle, j'en ai gagné 2. Il aurait pu le dire. Demain, à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Je sais que il aurait mieux dit. J'aime la France, j'adore la France, je baise la France. Sarkozy. Oh, il n'a pas dit. C'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation... La barbarie. Il l'a dit. Incroyable. C'est gaulien. Attaquer l'Irak jeudi serait une erreur, d'autant plus que le jeudi, il y a Julie Lescaut. Étienne Moujotte. Les baladuriens, on les a bien niqués et avec du gravier. Oh oui. Oui. Comme ça, avec ces mots-là. Avec du gravier. Non. Avec du gravier. Fin élégant, c'est un pote. Il n'a pas dit du verre gravier. Il a dit que le gravier, si tu veux. C'est bien élevé, ce gars-là. Ils vont s'apercevoir que je suis assez con pour aller jusqu'au bout. Il a pu le dire. Il l'a dit au moment du CPE. Absolument. Il a été assez con. Il a été assez con. Bon, allez. La France a envie qu'on la prenne. Ça lui démange dans le bassin. Ouais, il l'a dit. Ah oui. Il l'a dit. Tu connais par cœur. Mais comment oublier ce genre de choses? C'est incroyable. Non, je baiserai pas la France. Je lui ferai l'amour et je la ferai crier de plaisir. Ça aurait été drôle qu'il l'ait dit. C'était physique. J'ai violé Chirac. Bernadette. Non, c'était... Il l'a dit à propos de sa nomination. Il a violé Chirac, il n'avait aucune raison d'être là, et il a violé Chirac. Un type qui ne peut pas garder sa femme ne peut pas garder la France. Il l'a dit. Oh, il est cap. Il l'a dit à propos de Sarkozy, absolument. Bon camarade. C'est pour ça que je vais récupérer... Nous sommes en 14. C'est la guerre des tranchées. Moi, j'ai des couilles. Oui. Il l'a dit. CPE. Ouais. Bien sûr. Faire deux guerres, l'une en Afghanistan, l'autre en Irak, c'est comme avoir deux femmes. C'est complètement ingérable. Non, il ne l'a pas dit. Il l'a dit à Colin Powell. Tu comprends pourquoi on a une réputation de merde maintenant dans le monde. Ma chère Perry Cochin, vous publiez aux éditions numéro 1, Perry, mode de vie, mode d'emploi. Vous donnez des conseils pour recevoir ses amis. Et si on n'a pas d'amis, comment on fait? Alors, si on n'a pas d'amis, vous savez ce qu'on fait? On s'inscrit sur le site internet que je viens de créer, qui s'appelle J'adore les dîners. Qui s'appelle j'adorelesdîners.com. Sur lequel vous signalez dans quelle ville vous voulez dîner. Et moi, je vais organiser des dîners dans tout
toutes les grandes villes de France, où les gens vont pouvoir se faire de nouveaux amis. Génial. James Bond. He's a man's world. Et voilà, maintenant on passe aux rumeurs. On va voir si vous savez les reconnaître. Attention. Keith Richard aurait sniffé les cendres de son père. Ouais, exactement. Yes. C'est vrai. Mais mélangé avec de la coke quand même. Et il y a un épisode de Nip Tuck où Catherine Deneuve se fait mettre les cendres de son mari dans En appelant ma mère. Les cendres, c'est très hype. Oui, oui, c'est le moment. Ça se confirmerait concernant la chaîne Énergie 12. 12 correspondrait en fait au nombre de téléspectateurs. Rumeur par rumeur. La semaine dernière, France 3 aurait diffusé par erreur un France Europe Express datant de 2003. C'est vrai. C'est vrai. Non. Arrête. Non. Non. Pas vrai. Pas possible. Après son dernier championnat du monde, Brahim Asloum sortirait prochainement un DVD d'initiation à la boxe intitulé Les plus mauvaises techniques de combat. Après les livres Ensemble de Nicolas Sarkozy et Maintenant de Ségolène Royal, François Bayrou prépare un livre intitulé Ensemble maintenant. Devant. Rumeur. C'est une rumeur. Le vrai nom d'Élodie Boucher serait Élodie Charcuté, rumeur par rumeur. Ça, c'est moche. Ah, sur eBay, un monastère copte aurait mis en vente un exemplaire de la Bible dédicacé par Jésus-Christ lui-même. Ça serait génial. Rumeur. Ah! Là, je vais voir, tiens. Lors de son premier concert, par habitude, Clara Morgan aurait longuement sucé son micro. Rumeur. Pour faire face à la concurrence, un transporteur aérien low cost proposerait des places debout sur Paris-Marseille. Non. C'est pas bête, rumeur. Mais c'est rumeur. C'est pas sécure, non. Rumeur. 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 Ouais. Rumeur, mais enfin, moi, je l'ai vu au Vietnam, ça. Des places debout dans l'avion avec les mecs accrochés comme dans le bus. Je me rappelle qu'un avion qui ne décolle pas, c'est un train. Non, c'est un avion en l'air. L'impôt sur la fortune serait supprimé en Suède dès cette année. C'est vrai. En apprenant la nouvelle, Johnny Hallyday aurait demandé la nationalité suédoise. C'est sûrement vrai. Aux États-Unis, Amnesty International se lancerait dans la téléphonie mobile. Rumeur par rumeur. Par rumeur. Par rumeur, absolument. 10% de la facture pour Amnesty. Ah, en Polynésie, Sarkozy signifierait cocu. Rumeur par rumeur. Et en France. France aussi. Le monument préféré des Américains serait l'Empire State Building. Oui, crédible. Par rumeur. Le monument préféré d'Al-Qaïda serait le World Trade Center. Par rumeur. Par rumeur. En Inde, un homme de 72 ans aurait passé 27 années comme esclave d'un usurier auquel il avait emprunté un sac de riz. C'est vrai. La chaîne Carrefour serait sur le point d'engager des procédures pour que le Darfour change de nom, l'estimant trop proche de son enseigne. À l'occasion de son 15e anniversaire, le parc Disneyland Paris lancerait une nouvelle attraction baptisée Les Didi, où le but consisterait à passer sous un pont en voiture en évitant les poteaux. Le Vatican rechercherait activement des miracles pour accélérer la béatification de Jean-Paul II. Rumeur par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur, vous allez voir d'ailleurs. Et vous allez chanter cette phrase. Ô toi, Jean-Paul II, qui fait des miracles. Ô toi, Jean-Paul II, qui fait des miracles. Aide notre frère Nicolas, ici présent. Aide notre frère Nicolas, ici présent. À retrouver l'usage de ses jambes. À retrouver l'usage de ses jambes. 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 Ma belle-mère, elle me flingue. L'usage de ses jambes. L'usage de ses jambes.
Regarde le mec qui rit. On va essayer de voir si c'est un miracle, si monsieur, on a foncé très très fort à Jean-Paul II, et nous allons voir si s'il remarche, ça veut dire qu'il y a eu un miracle. Vous pensez que vous avez un miracle là ? Peut-être, on peut voir. On peut essayer. Peut-être il peut faire une marche. Il a marché là, hein ? Hein, il a... C'est grâce. Il a fait un pas. Ça suffit. C'est un miracle, hein. C'est un miracle, c'est grâce à Jean-Paul II. Donc, Dominique Georges certifie sur l'honneur avoir été témoin de l'accomplissement d'un fait miraculeux ce jour. Oui. Précisez si le fait miraculeux, c'est-à-dire le fait qu'il remarche, semble avoir été déclenché par l'intercession d'une personne. Donc, nous avons prié par l'intercession de Jean-Paul II. Voilà, donc Jean-Paul II, grâce à Jean-Paul II. Vous signez, lui, là, hop. C'est pour qu'il soit canonisé, voilà. On avance quand même. Voilà, Olivier Gérard, bravo. Antoine Decaune, le 13 avril à 22h25. Précise. Canal Plus propose Les Années Rapido, donc un docu sur votre célèbre émission, un docu de vous et de Peter Stewart, animé par vous et par votre fille Emma Decaune. Il y a un truc incroyable, c'est que si vous parliez si vite dans Rapido, c'est parce qu'il fallait passer l'émission de 70 minutes à 30 minutes. Oui, non, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, parce que en fait, la première année de Rapido, on était sur TF1, ouais. Et on passait juste après Histoire Naturelle vers 4h moins le quart maintenant. Donc, ouais. Assez peu de spectateurs, ouais. Et c'était un magazine qui durait 75 minutes. Et donc on avait essayé de négocier de pouvoir passer avant minuit, en échange évidemment d'une réduction du temps de l'émission, ouais, et une réduction budgétaire. Et donc j'avais dit, moi, comme une connerie à l'époque, que j'avais autant de choses à dire en 30 minutes qu'en 75, et donc que je les dirais deux fois plus vite, sur un fond blanc, puisqu'on n'avait plus de quoi se payer un décor. Avec le générique de Mondino, quand même. Ouais, bah ouais. Rapido, ouais. Ben merci. Merci, Nagui. On regarde à quoi ça ressemble. Bonsoir, Rapido. Ceci n'est pas une rediffusion, encore moins une faille spatio-temporelle. Nous sommes bien en 2007 pour fêter les années Rapido. Rapido. Bientôt sur Canal et nulle part ailleurs. Cultissime et compilé par Antoine Decaune, Les Années Rapido, vendredi 22h25. On sera là. Bravo Antoine. Voilà. Antoine Decaune. Je vais essayer le jeu des anagrammes. On va faire un anagramme, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut écrire avec les lettres de Noël, Loyer, Sage? Le public ne souffle pas. Il y a un Ségolène, non. Royal. Non. Bravo! Bravo! Ah oui. On continue. Rayon bouc frais. Nicolas Sarkozy. Non, François Bayrou. François Bayrou. Bravo. Vas-y. Ouais, je sais faire. Il va faire ça. Le troisième, c'est Nicolas Sarkozy. On continue. Naturel abusif. Nicolas Sarkozy. Non. Ça, c'est le cas, d'ailleurs, oui. Laurent... Fabius. Oui. Bravo. C'est politique. Je peux donner un point à Skolovitch. Un point à Péricochin, quand même, Stéphane. Ouais. Ah non, un demi. Ah non, un demi chacun. T'as raison, un demi chacun. Je vous interdis. Les règles du jeu sont les règles de jeu. Mais pourquoi pas un point chacun? Non, un demi. Jean-Pierre Malien. Le Pen. Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Antoine Decaune, ah ouais. Bravo. Ah ouais. Franchement, il n'était pas si difficile. Le dernier qui n'est pas un anagramme, mais bon. Cohésion, flanc, l'art. La méthode Coé. Cohésion, flanc, l'art. Nicolas Sarkozy. Non. Ah non, il n'y a pas de Y. Mais il y a un I. Oui, mais cherche le Y. François Cohésion. Ouais, François Hollande. Bravo. Flan est là. C'est Nagui qui a gagné. Bravo, Nagui. J'accueille Stéphane Guillon.
Mais d'abord, mesdames, messieurs, d'abord, le zapping de Canal. Voilà, c'était le zapping de Canal et maintenant, la revue de presse de Stéphane Dion. Politique, Sarkozy souhaite créer un ministère des gens de petite taille. Première mesure, un accompagnateur vous aide à franchir tous les obstacles. Sur les marchés, une cabine ambulante permet de laisser des messages à Bayrou. Faudrait la même pour laisser des messages à Sarko et la placer sur la dalle d'Argenteuil. Et après, on pourrait éditer un dictionnaire d'insultes. Ouais. De nouveaux portillons, beaucoup plus sécurisés, baptisés Philippe de Villiers, ont été présentés dans une station de métro. Et là, pour le coup, le barbu intégriste et fraudeur ne passe pas. La phrase de la semaine, signée Jean-Marie Le Pen. Pour fêter mon élection à l'Élysée, il y aura un buffet qui ira de l'Étoile à la Concorde et qui sera ouvert au peuple français. Tout le 9-3 descendant sur les Champs-Élysées, déguster les petits fours de Le Pen, on salive d'avance. Anthropologie, la côte de Jeanne d'Arc exposée au diocèse de Tours appartient en vérité à une momie égyptienne. Jean-Marie Le Pen, qui s'était plusieurs fois masturbé sur cette relique, est terriblement déçu. Société, il y a une semaine, le Parisien s'inquiétait du nombre d'accidents mortels sur les passages à niveau. Un chiffre qui va s'améliorer avec le nouveau record de vitesse du TGV. Les voitures n'ont plus aucune chance de s'en sortir. Ouverture d'un jardin au pied du Parc des Princes avec une aire de jeu, nombreuses activités. Pendant les matchs, les enfants peuvent jouer avec des canettes, des fumigènes, voire un scooter. Ça promet. Sport, déclaration de Laure Manaudou. On nage plus vite quand on est amoureuse. Faut voir. Hein. Si Régine veut te rouler une pelle dans une piscine, à mon avis, tu dois nager très vite. Laure Manaudou, remerciée par son sponsor EDF. Bravo et merci, Laure. Comme il y a 400 barrages défectueux en France, c'est très important pour EDF que les Français soient bons nageurs. La Suède supprime l'impôt sur la fortune. Résultat, Laetitia Hallyday pose à poil dans VSD. Un message clair, regardez, je suis une vraie blonde, donnez-moi la nationalité suédoise. VSD toujours, notre jeu de la semaine. Trois couples sont en couverture. Les Sarkozy, les Pernod, les Bayrou. Attention, deux seulement ont été cocus. Envoyez vos réponses. Le calvaire de Brigitte Bardot. Elle souffre le martyr et refuse de se faire opérer. Là, il faut y aller au pic à glace, hein, comme pour les bébés phoques. Sauf que dans son cas, on ne pourra pas récupérer la peau. Benoît, c'est bon. Dominique Besnéard, célèbre impresario parisien, soutient Ségolène Royal. Une déclaration faite avec son fameux défaut d'élocution. Ségolène Royal, c'est Meryl Streep, c'est à la fois la maîtresse du lieutenant français, la rédactrice autoritaire du Diable s'habille en Prada et l'épouse exemplaire dans Sur la route de Madison. Ouais. Ça, pour être exemplaire, elle est exemplaire. Elle couche pas, Ségolène. François, même pas, lui tape la bise. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Wow. Au revoir, Stéphane. À la semaine prochaine. Dans son spectacle, il fait des imitations incroyables. Il fait Lucchini aussi terriblement bien.
Alors, le sujet de la semaine, évidemment, c'est le retour de Nicolas Hulot, dimanche dernier au Trocadéro. Il a beau être contre le réchauffement climatique, Nicolas Hulot était très content qu'il fasse beau, quand même. Hein. Bon, regardez, on en parle. Ouais. Mais bien sûr que la Terre se réchauffe, bien sûr qu'on fonce dans le mur. Les experts n'arrêtent pas de nous le répéter à la télé, forcément, ça doit être vrai. Mais au fait, qui a vu venir le coup avant les autres? Qui nous a prévenus avant tout le monde? Les écolos. Et ben résultat, en 2007, on ne sait même pas si la candidature écolo va faire 2% au présidentiel. Mais comment ça se fait ça? Et ben c'est la faute à Nicolas Hulot. Pourtant, nous, on adorait son émission sur TF1. Alors forcément, on aurait voté pour lui. Au lieu de ça, aujourd'hui, on a ressorti les drapeaux bleu-blanc-rouge, on flippe son insécurité, au lieu de parler de l'avenir de la planète. Ah, ça, pour faire le voir en ULM, il était fortiche, le Hulot. Mais quand il s'agit de s'engager, plus personne. Alors bien sûr, il y a le pacte écologique qu'il a fait signer aux autres candidats. Mais c'est vraiment n'importe quoi. On le sait bien, nous les électeurs, que les candidats qui veulent vraiment être élus ne tiennent jamais leurs promesses. C'est pour ça que son pacte écologique, c'est n'importe quoi. Pendant qu'on y est, pourquoi pas voter Dominique Voynet? Ouais, excusez-moi, je déconne alors que la Terre est en train de crever. Mais au moins maintenant, on sait pourquoi la Terre est en train de crever. C'est la faute à Nicolas Hulot. Alors que nous, on était prêts à mettre des ampoules économiques pour ses idées lumineuses. Au lieu de ça, on continue de foncer dans le mur. Mais au moins, on sait que c'est pas de notre faute. Salauds d'écologistes. Ah, ils nous auront bien foutu dans la merde, ceux-là. Non, mais c'est vrai. Plus on prend conscience de l'écologie, et moins... Les Verts ramassent de voix. Je pense que l'écologie, c'est comme le racisme. Il ne faut pas qu'il y ait une couleur politique collée à ça. Ouais. Être tous contre le racisme, être tous pour l'écologie. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas de... Pourquoi un parti spécialement... Oui, mais sauf qu'il a dilué l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit le candidat pour lequel tu votes, vu qu'ils ont tous signé son pacte écologique, tu as le sentiment d'être écologique. Bah, c'est bien, ouais. Tant mieux. Tu penses bien qu'ils ne vont pas mettre un vice-premier ministre responsable de l'écologie. C'est évident que ce n'est pas vrai. On rigole avec ça. Ouais. Mais la situation est vraiment très très grave. Ben oui. Ce que tu peux reprocher à Nicolas Hulot, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Il aurait dû se présenter. Mm-hmm. Et sa campagne aurait certainement été beaucoup plus digne que les aventures des moutons égorgés dans les baignoires version Sarkozy ou du drapeau qu'il faut coudre soi-même à la maison version royale. Mm. Claude Askolovitch, c'est vous qui interviewez Éric Besson pour son livre « Qui connaît Madame Royale ?» chez Grasset. Alors c'est donc le député de la Drôme qui démissionne de ses fonctions de secrétaire national économie. Et à ce moment-là, Ségolène Royal dit « Qui connaît Monsieur Besson ?» Voilà. Éric Besson, à ce moment-là, il sort de son devoir de réserve et il écrit ce livre avec vous, numéro un des ventes, toutes catégories confondues quand même. C'est un carton intégral. J'espère que vous avez 50% des droits. On a 50% des droits, ma femme. Très bon, alors. Génial. Tu es tranquille. C'était pas l'idée au départ. Ah non, mais c'est doublé quand même, là. Ah oui, c'est doublé. C'est doublé. Alors, c'est un réquisitoire très dur contre Ségolène Royal. Il dit qu'il redoute... pour ses enfants, qu'elle soit élue, que sa démocratie participative, c'est une mascarade, qu'elle construit un pouvoir personnel. Seule sa propre gloire la motive. Non, c'est un livre très dur. C'est un livre très dur. Ouais. Parce que Besson est un type qui se met à parler vrai. Peut-être qu'il a totalement tort. Mais ce type qui avait fait toute sa carrière politique et qui un jour se sent libéré de toute contrainte et qui décide de dire voilà ce qu'il pense vraiment. Le truc, c'est purger 14 ans de vie politique. Éric Besson avec Claude Askolovitch, qui connaît Madame Royal, c'est chez Grasset, voilà. Et voilà, et maintenant on passe au champion de l'actu, notre grand jeu. Alors là c'est plus un quiz pour rigoler, là on compte les points, attention, ça rigole pas. À l'issue, il y aura un champion de l'actu, ou une champion de l'actu, évidemment. Bon, attention, en ce moment, une inondation de boue volcanique détruit l'île de Polka, Java, Mazurka, Tango ou Samba. Java, non. Java, Antoine Decaune, un point. C'est un point gagné. C'est un point gagné de haute lutte. Et la encore, plus belle des encore des questions. Il reste une référence dans le monde de la musique. De la culture. Samedi dernier, Ségolène Royal était en meeting à Brie-Comte-Robert, au concert de Michel Delpech, au Stade de France pour la Coupe de la Ligue, en survêtement chez elle pour mater la saison 3 de Desperate Housewives, ou à la Tchunga de Rhys Orange. Delpech. Askolovitch. Un point. Amen. Bravo. On suit, hein. Il la suit à la trace. On suit, hein. Quand on s'y révèle. Ah,
Qu'est-ce qui est noir et qu'aime beaucoup Nicolas Sarkozy? Mousse Diouf, le chocolat, les strings en cuir, les romans policiers ou Thierry Ardisson? Ah, chocolat. Les polars. Les polars. Le chocolat Nagui. Bravo. Ah, t'aimes beaucoup, pas qui aime. Pardon. Quand il va en vacances pour des séances de revitalisation, Jean-Marie Le Pen séjourne à l'hôtel Stalag, Mirador, Auschwitz ou Edelweiss. 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 Mirador. Incroyable. Incroyable. Il va à l'hôtel, bien sûr. Non, oui, Mirador. Il va à l'hôtel Mirador. Il le laisse ressentir. En langage des signes, que veut dire ce geste? Élégance, cheveux, j'ai envie d'aller aux toilettes, ou Ségolène Royal? Ségolène Royal. Ségolène Royal, Yves Lecoq. Comment dit-on François Bayrou en langage des signes? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Ou comme ça? C'est comme ça. Comme ça, bravo, Yves Lecoq. C'est comment? Pourquoi Pascal Sevran peut-il être fier de lui? L'audience de son émission n'a jamais été aussi haute. Nicolas Sarkozy l'appelle avant chaque annonce importante. Il a reçu une demande de photo dédicacée de la part de Jean-Marie Le Pen. Il est cité dans un rapport de l'ONU sur le racisme. Il est cité dans le rapport de l'ONU. Oui, c'est ça. Nagui. Mais la photo, elle est énorme. Il ressemble au général Gamelin. Non, au général Lyautey, l'homme qui avait toujours des couilles, mais... Il avait des couilles au cul, mais pas, mais pas les siennes. C'est un photomontage. Ségolène Royal s'est déclarée contre l'obligation d'une analyse comportementale des chiens dangereux non. dans Toutoumag, Rottweiler News, c'est pas vrai. Passion Labrador ou Pitbull Magazine. Rottweiler News. Bravo. Mais comment non, vous savez ça? J'ai entendu. Le magazine des vrais passionnés du Rottweiler. Non, mais c'est, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont eu, tous les candidats. Le premier single de Clara Morgan s'appelle Sextoy, Fistfucking, J'aime pas ou Arrête, ça fait mal. J'aime pas. Sextoy. Arrête, ça fait mal. J'en sais. Sextoy. Alors j'aime. J'aime, bravo. J'aime. Donc pas de points. 80% des fans de Dalida se sont suicidés en son hommage, ont appelé leur fille Orlando, plus de 70 ans, ont moins de 25 ans ou continuent d'aller à ses concerts. Continue d'aller à ses concerts. En plus de 70 ans. Moins de 25 ans. Askolovitch, en moins de 25 ans. D'ailleurs, moi-même. Qu'est-ce qui fait vomir Laetitia Hallyday? Les paparazzi? La méchanceté à l'égard de son mari? Les blagues sur la différence d'âge avec son mari? La raclette? Ou le Space Mountain de Disneyland? Ah. Le Space Mountain. Bravo, Yves Lecoq. Le reste, elle supporte apparemment. Du temps et Et maintenant, la mort subite. C'est-à-dire que celui ou celle... On refait le match! Lié. On refait le match. Et là, maintenant, la mort subit. Donc, celui ou celle qui répondra à cette question sera sacré champion de l'actu. Voilà. Oh. Attention. Antoine est super concentré. Hyper concentré. Attention. C'est énorme. Ouais. Leonardo DiCaprio a demandé sa fiancée en mariage. Elle s'appelle Bistro, Coffee, Bar, Resto ou Bar Tabac? Bar! Bar! Waouh! Bar Réfali, voilà! Le vainqueur, la vainqueur du champion de l'actu cette semaine est Thierry Cochin! Bravo! Merci à tous, c'était Salut les Terriens! Avec Perry Cochin, Perry, mode de vie, mode d'emploi, chez Édition numéro 1, Yves Lecoq, Mémoire d'un guignol, chez Robert Laffont, Antoine Decaune, Les années rapido, sur Canal+, le 13 avril à 22h25.
lundi, tout le monde veut prendre sa place sur France 2. À midi, et Taratata, une fois par mois, le vendredi à 23h45. Gonès Kolovitch, qui connaît Madame Royale, Éric Besson, c'est chez Grasset. Je vous laisse avec mes amis de Groland et je vous retrouve la semaine prochaine. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.